De passage dans la pointe des Ardennes, l'équipe professionnelle de basket féminine, le Royal Castor Braine, cette fois championne de Belgique de 2014 à 2020, était en repos au château de Vierevalran. L'équipe belge a profité de ce week-end détente pour resserrer les liens du groupe, mais aussi accueillir les nouvelles recrues. C'est des filles qui viennent du Canada, de plein de pays, etc. Elles ne sont pas avec leur famille pour le moment. Donc moi, je suis belge, donc je vois ma famille. Mais pour elles, on doit être un petit peu leur famille de remplacement pendant toute une saison. Carster a appelé mon agent et il m'a dit que c'est un club qui est vraiment professionnel. Ils vont vraiment bien jouer pendant Euro Cup, tout ça. Je pense que c'est un endroit que tu peux améliorer et vraiment réussir. Alors pour moi, c'était un choix assez facile, surtout parce que je peux utiliser mon français aussi, c'est un peu mieux, mais je suis tellement excitée pour commencer la saison ici. Ce travail de cohésion est primordial pour l'équipe avant chaque début de saison, l'occasion également pour le coach de découvrir la personnalité de chaque basketteuse. On a changé 7 joueuses cette saison, donc il faut que tout le monde, toutes celles qui intègrent l'équipe apprennent à se connaître, Ouais, c'est super important d'avoir un week-end comme ça de cohésion et qui permet d'avoir des informations sur chaque joueuse. En tant que coach, ça me permet aussi de voir un peu comment sont les joueuses en dehors du terrain. Cette visite était également l'occasion de découvrir le château de Vierevalran, sa gastronomie et ses nombreuses rénovations. Je collabore en Belgique avec les champions de Belgique. Je me dis autant leur faire profiter un peu du cadre et faire connaître aussi la ville de Vireux. Notre chef va les séduire par la cuisine, ça c'est certain. En fait, c'est une cuisine gastronomique évidemment, mais qui est très fine, très recherchée, très variée. Pour les gens du coin, s'ils veulent marquer le coup, un anniversaire, n'importe quoi, on a aussi une orangerie qui permet d'accueillir jusqu'à 100 personnes, donc ça peut être ouvert à toute manifestation de groupe et avec l'assurance qu'ils seront bien servis, parce que Julien Castoldi, qui est du pays, et qui est un très bon chef. Ce dimanche, le Royal Castor Braine sera de nouveau dans le département pour un match amical face aux Flammes Carolo.